Aujourd'hui, on pose deux types de balises. Donc, ces balises, elles ne récoltent que la température en mer. Et puis, sur la plus grosse des tortues, on va mettre une balise un petit peu différente qui va enregistrer non seulement la température, mais également la salinité. Donc, il y a des mesures de conductivité. Donc, ça, c'est également une donnée qui est très intéressante. On est en pleine période cyclonique. Ces tortues potentiellement vont partir au nord vers les côtes d'Oman. Pour les tortues qui vont être relâchées en Afrique du Sud ou depuis Europa, ou voire des Comores, ce sont des tortues qui vont rester peut-être dans le canal du Mozambique. Donc là aussi, ce sont des endroits qui sont extrêmement intéressants en termes de données de température.